Non, 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 Déborah, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Parler de tout, pas des gosses, pas des gosses. Pas des gosses, parce que vous le savez, je vais vriller, je vais faire des dingueries. Je vais faire des dingueries. Je vais l'attraper, je vais l'étrangler. Elle. Parlez pas des gosses. Elle va faire clairement des dingueries, elle. Elle va fumer, elle, ou c'est comment? Elle va fumer, ou c'est comment, elle? Fada les gens. T'as ri ou quoi sur cette application là? Cassez vos bouches, vous allez voir. Un par un, Fada, un par un, j'ai du temps devant moi. Un par un, je vais vous péter vos bouches. Continuez de parler comme ça là. T'as ri, hein? Ah, je l'ai appelé sur Snap, j'ai laissé deux vocaux, je te le dis. T'inquiète pas, je vais me la faire, t'inquiète. 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 Qui? Hey, comment tu vas? Oui, de solarité. J'ai le droit d'inventer des mots ou pas? Le droit. Merci. Si je te dis, tu dégages beaucoup de solarité, est-ce que tu comprends? Gentil. Tu comprends ou pas? Téma, il a dit c'est gentil. Ben oui, de solarité, c'est que je suis brillant. Merci, Kawa. Et vous avez vu ou pas? Il a compris. Ouais, comme jardiniste, exactement. Tant que vous comprenez, c'est le principal. L'équipement tap, 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 tous ensemble. Il va le retrouver s'il est gentil. Allez, deux motos sautées. Allez, à la troisième. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je refais ma team, comme ça. Ça arrive souvent sur TikTok. Ouais. Allez, qui c'est qui veut prendre la défense de l'homme qui crie? Dans le chat, allez-y. Moto, pas moto, mère, père, oncle, tante, je vous fais sauter comme des biscottes. Lide de lier. Oui, ça marche. Qui c'est qui défend encore là? Mila, Kiki. L'équipe en tap, tap, tap. Merci Nico. Alors, mon instinct de femme me pousse à demander qu'est-ce qui s'est passé. Mon instinct de tiktokeuse me dit « ferme ta bouche ». L'équipe tous ensemble. Ah, je fais pas parler, c'est un micro, t'inquiète. On est partagé entre l'équipe tous ensemble, s'il vous plaît. Merci de savoir. L'équipe. Mais j'ai pas demandé, t'as vu? Mila! Merci Kawa, merci Sukuna, merci M! L'équipe tous ensemble dans le x2, s'il vous plaît. On fait attention à ce qui se passe à côté. Merci tout le monde. Ça permet. M! L'équipe tous ensemble en famille. On essaie de remonter un tout petit peu? Oh! Qui aurait accepté ça? Tu fais ou quoi? Y a personne qui accepte. Ok, l'équipe x2. L'équipe x2.
Vraiment, hein? Vous allez vous mettre en danger. Mais mon fils, qu'est-ce qu'il a à voir dans mon contenu TikTok? Rien à voir, en fait. Comme les autres, ils ont rien à voir. Hein. Parlez pas des enfants. Hein. Vraiment, hein? Attention, je me fais bannir 70 000 fois s'il faut pour mon gamin. Hein. Et je pense que tout père réagirait comme moi. Hein. Déjà, je suis là, déjà, je supporte. Déjà, on est là, on essaie d'être dans une... d'être toujours... on essaie d'être bien, malgré les problèmes de la vie à gauche, malgré les problèmes de la vie à droite. Mais si de une, vous m'en rajoutez, vous sautez. Si de deux, vous parlez de mon fils, vous sautez. Je vais vous sauter à pieds joints sur le visage. Hein. Faites très attention quand même, l'équipe. Hein. Parce que moi, j'ai pas de frein. Hein. Si je suis quelqu'un de très solitaire comme ça, c'est pas pour rien. Hein. Faites attention. Hein. Pendant que vous êtes à gauche, à droite, entouré et tout, moi, je suis tout seul, je suis en train de ruminer. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire, hein. Attention quand même, hein. Je vous le dis, je rigolerai jamais pour mon fils et je me ferai bannir autant de fois qu'il faut pour mon gamin. Hein. S'il faut que ce compte-là il saute encore, eh ben il saute, c'est pas grave. Je regardais la tête haute en tant que père. Vraiment, hein. Tu peux rigoler, hein, Aminon, là. Tu peux venir avec Andorre, hein, si tu veux. Tu peux venir avec Andorre même, si tu veux. Viens avec elle, hein. De ma mère, vous connaissez pas les gens, faites attention, hein. Vous les voyez faire les oives, faire des poiriers, faire des machins, mais faites quand même attention, hein. De pas vous brûler, hein. Vous le dites, hein. Craqué ou quoi? Cette blague là, je suis là pour rigoler, ça parle de mon gamin. Mais barrez-vous de là-bas. De mon fils, je parle de vos enfants, moi. Clairement, hein? Clairement. Exactement le terme, hein. Ne vous mettez pas en danger. Je voulais pas qu'on vous soit tapé jouer chez vous. Vraiment. T'as raison, hein. Moi j'ai commencé, ouais, c'est vrai que c'est moi qui parle des gosses, t'as raison, hein. T'as raison, ouais. T'as raison, ouais. Allez, casse-toi de là. Je commence jamais, je parle jamais des gosses, moi. Même énervé, je parle pas des enfants. Par contre, quand vous commencez à parler des enfants, c'est-à-dire que vous laissez l'opportunité à ce que j'en parle. Et là, je me fais un malin plaisir, hein. Par contre, hein. Sachez-le, hein. Pas de frein, moi. Allez. C'est fou quoi cette application, ça veut craquer ou quoi? C'est quoi, c'est porte ouverte en fait? Vous avez le droit de tout et nous on a le droit de rien? C'est ça en fait, c'est porte ouverte? Dites-le, hein! Dites-le si je baisse mon slip, hein! Dites-le quand je lance l'appli, est-ce que je baisse mon slip ou pas? Je me mets à quatre pattes, je me mets à quatre pattes, je baisse mon slip et tous vous rentrez dedans. Vous venez? Vous avez raison, ouais. Vous avez raison. Craqué ou quoi? Merci Georges. Je te jure Déborah. Ah les gens comme ça c'est pas pour moi. Les gens comme ça c'est pas pour moi. C'est ouf comme les alcoolos ils sortent à 2h du matin comme ça pour venir me parler. C'est ouf là. Vous m'adressez même pas la parole les alcoolos là. Vous m'adressez pas la parole les alcoolos là. Vous avez pas pris vos cures là à 2h du matin là. Salut Virginie. C'est ouf, c'est que des gens qui sont pas abonnés qui viennent parler. C'est-à-dire que c'est des gens qui me regardent, hein. Des gens qui m'épient, hein. Ils veulent voir ma vie, hein. De taré, là. L'équipe snipe, c'est snipe up. Snipe, 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 snipe.
T'as bien fait, Georges. Siramak, danse avec les stars. Non, j'aime pas qu'on parle des enfants, Virginie. Tu le sais, c'est un truc, j'ai trop perdu de compte à cause de ça. Vous avez craqué ou quoi? Viens dans la vie me dire ce que t'as dit. Viens dans la vie me dire ce que t'as dit. Vous avez fumé ou quoi sur cette application? 10h du matin, c'est quoi ce délire là? Après qu'on va se laisser faire? Après, on n'a pas un vécu, on n'a pas d'entourage, on a quoi? On n'a pas de nerfs, on n'a pas de sentiments, c'est comment en fait? C'est comment? Ça y est, on vous fait deux lives, ça y est. C'est comment l'histoire là? Parlez de vos gosses, non? Jamais je me suis permis de parler des enfants. Même énervé, hein? C'est quoi ce délire là? Là, dans un live, ça y est, ça prend l'habitude. Tu leur dis bonjour deux fois dans ton live, ça y est, on dirait que c'est tes potes. Vas-y, viens, Candor. Viens, Candor, dans la vraie vie, viens. Je vais te montrer deux, trois petites choses. Tu vas manger mon parterre, viens. Femme ou pas femme, hein. Viens, dans la vraie vie, viens. Viens, je vais te montrer. Parler de mon fils, viens. Viens, Candor. Je voulais mon zeb, hein. Je l'ai pas donné, t'as le seum, hein. Eh ouais, hein. T'as le seum, hein. Allez, va racouler notre gars, va. Primaz, hein, la table où elle voulait que je la saute, hein, hein? Et bien sûr, hein? Hein? Ça, elle le dit pas, ça, hein? Je voulais tester sa table, hein? Hein, oui. Cherche des hommes, elle achète les hommes sur TikTok. Clochard, là. Va acheter un autre homme, va, je suis pas achetable, moi. Va acheter un autre mec, va. Je m'aurai jamais. C'est l'histoire de ta mère qui a rencontré ton père, Sakuna. Et qui est mis en cloque, qui t'a mis en cloque toi, et que du coup tu es né. C'est bon l'histoire? Elle est close là? Mais bien sûr, elle me voulait, le message qu'elle me laissait. Bichette, juste envoyer des cadeaux sur un live TikTok d'un gars célibataire? Pour l'avoir dans son lit, va acheter, vas-y, va à la jonque, va à la jonquera, va à la jonquera. La seule qui me voulait pas, c'était Valou. Ouais, Mélissa. Pourquoi t'as bloqué mon modérateur? Parce que ça m'énerve les gens qui viennent là faire les commères là, qu'est-ce qui se passe, manani, manana là, allez. Ça bah oui, mais t'es en train d'en parler, c'est normal, mister. Non, j'en parle de mon côté, je t'ai muté, j'en parle à eux là. Bah oui, mais on t'a muté exprès pour pas que, en gros, je me mêle de... Je te demande, c'est normal qu'ils soient un peu curieux. Regardez ça, tous les faux comptes. Je suis énervé, là, Mélissa, tu vois pas? Je suis dans mon coin, je te calcule pas. Fais ton live, tranquille, on fait des matchs, tu me gagnes, je te gagne. Fais ton live, je fais mon live. Mais c'est bon? Mon modérateur. Mais qu'est-ce que j'en ai branlé? Qu'est-ce que j'en sais déjà de une? Et qu'est-ce que j'en ai branlé de... Je viens de te le dire. Oui, ben c'est bien. Ok. Il est bloqué devant. Merci, petit abricot. Merci. I need you to be my baby.
Merci, petit abricot. Ça va, impeccable. L'équipe snipe, 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 snipe. J'arrive pas, Scalpa, j'arrive pas. Il y en a, ils arrivent, hein. C'est pas grave, merci, c'est bon, je joue plus. Il y en a, ils y arrivent, Scalpa, mais c'est pas possible, mettez-vous à ma place. Il y a tout le monde qui pète rien câble, il y a tout le monde qui aurait coupé son live, il serait parti taper dans des troncs d'arbres. Vous avez craqué ou quoi? Vous avez fumé. Tu fais quoi, tu arrêtes? Oui. Ok. Casse-toi toi aussi. Faut que j'ai besoin d'eux ou quoi? C'est comment cette histoire? Montana! Je te vois pas? Comment ça, tu me vois pas? La tête de ma mère qu'il y a rien sur l'écran. Attends, je te reprends, bouge pas. Là, c'est bon, je te vois. Ça y est, tu viens d'apparaître comme par magie. Comment ça, beau gosse? Ça va et toi? Quoi de neuf? Ah, tu m'as tué de rire sur la rediff avec Zik. Ah ouais? Ce sac à pu. Je connais même pas, il me prend pour un con, le mec. Isama, il était sourd. Il a retrouvé vite l'audition. Ouais, quand t'as insulté sa sœur, d'un coup, il était là, hein. Ouais, il a vite retrouvé... Ça fait plaisir. On fait un petit match? Après, je vais aller me coucher. Ouais, sans problème. Sans problème. Attends, ça marche pas. Impossible, car le nombre de créateurs, je sais pas quoi. Là, il y avait la crapule, il était en train de me demander. Ah, d'accord. Ça, il est redescendu. C'est bon, nickel. Bière bien fraîche, poulet grillé, grave, Georges, grave, j'aimerais bien. Putain, les amis, bon. On se le debuzz, hein, il est gentil, mais pas de pitié pour les croissants. L'équipe, tape. Dernier match de la soirée, après je vais me coucher. Tous ensemble, l'équipe. Tu vois, lui, ça n'a pas dérangé, il m'a pas dit pourquoi t'as mis un filtre, pourquoi t'as pas mis un filtre. T'as vu, ça s'en bat les couilles. Mytho, enfin, Montana, il n'y a rien qui me dérange. Ça fait plaisir. Et ouais, pour revenir à l'autre sbotch là. Tous sont venus m'envoyer des messages, me disant, oh, c'est pas bien. J'ai dit, mais vous allez arrêter de sucer les gens. Qu'est-ce que c'est que votre problème là? C'est ça, vous voulez me prendre au sentiment? Du c'est moment que de l'argent, il choupe, laisse tomber. C'est un truc de fou. Oh, c'est que les badges. Peut venir n'importe qui, ça, il a un badge, ça y est, lui, il faut, c'est pas bien avec lui. Les autres, ils ont pas de badge, tu peux le faire, mais lui, non, faut, allez vous faire. Du moment que le badge, il ouvre sa bouche, il dit, lui, c'est pas une personne bien, tout le monde va dire, ouais, j'avoue, c'est pas une personne bien. Mais pourquoi ils ont pas de figure comme ça, c'est l'argent qu'achète cette application, c'est tout. Mais frérot, tu gagnes pas plus d'argent quand tu choupes comme ça, frérot. Bah oui, surtout que en général, les donateurs, ils détestent qu'on vienne les choper. Je sais pas. Vraiment. Ça va, ça, Dubaï, mon ami? Ça va, frérot, franchement, c'est la tranquillité. Ben oui, c'est je le vois, t'as pris du poids, t'es bien. Thank you. Et oui. Il faisait froid en plus en France ces derniers temps. Bah, franchement, bon, moi je suis dans le sud de la France, donc du coup ça va. Mais ouais, dans le nord, il faisait froid. Le truc, c'est que moi, le froid, je le supporte pas, frérot. J'avoue. Je supporte pas le froid. Heureux, Cynthia. Merci, Julie. Merci, Manon. L'équipe, dernier match. On met tous nos fois 5, on vide nos pièces, on revient demain. Je suis Christine. Je sais pas si c'est vrai pour sa sœur ou pas, mais c'est même pas. C'est bon. À nous faire le vice, vraiment. Ça va. Qui a pas insulté sa sœur? Ça va. Non. Les gars, même moi, je déroge pas à la règle. Dans la vie, quand tu fais un peu des... À tout moment, ça peut partir en sucette. Moi aussi, des fois, je rigole avec les gens. Peut-être des fois, ça part en couille. On me parle mal, c'est ça. Sinon, tu parles pas avec les gens, ferme ta gueule, et puis c'est tout. C'est ça, sinon, c'est pas sur le public. Il y a plusieurs personnalités, des gens qui ont une éducation différente. Moi, nous, dans le Sud, on a l'habitude, Mytho, de s'insulter et tout. C'est pas quelque chose qui me choque. Mais ici, il y en a, ils font les choquer. C'est trop. Ah, on t'insulte deux minutes, c'est bon. Non, mais après on se parle normal. Bon, c'est réciproque, ok.
Maintenant, tu veux essayer de faire un. Voilà, putain, ta sœur, tu m'entends là? Exactement. Ouais, il te répondait pas. Il était arrogant, il te répondait pas. Ouais, alors je le connais même pas. C'était la première fois de ma vie que je le vois. Ouais, peut-être il t'aimait pas, peut-être t'avais dit un truc qui lui a pas plu l'année dernière. Tu sais, il reste focalisé sur des trucs de fou sur ta pli. Sont venus dans les commentaires, dans les messages. Oh, c'est Zik, tu le connais pas, tu sais pas qui c'est. Mais Rohnikomoktoy, lui, qu'est-ce que tu vas dire? Mais. Ouais, Il bon. est. Il y en a, ils sont milliardaires sur cette appli, ils le montrent pas. Hein? Dibous92. Ils sont multimilliardaires, ils le montrent pas. Et ils sont pas arrogants, ils restent humbles. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais de. Ça dit quoi les journées? Ça dit quoi Moi, je travaille, mon pote, le matin, je suis à mon garage, tranquille, ça se passe bien. Là, j'ai monté une boutique de prêt-à-porter. Je vends des t-shirts de ma marque. Ah ouais? Ouais, tranquille. En parallèle. Et voilà, sinon j'ai mon petit gamin. Ce week-end, j'étais avec mon fils et ma mère. On a passé le Voir un peu week-end. à quoi il ressemble. T'en as des t-shirts pas loin? Voir. Ouais, j'en ai, ouais. Ça ressemble à quoi? C'est quoi un t-shirt? Ouais, c'est un t-shirt, ouais. Mister Nénénia. T'as fait un site internet et tout? Ouais, j'ai fait un site officiel. Tu vois, j'ai mis des petites bulles comme ça, avec marqué la bise et Nénénia. Après, j'ai Ouais. la noire, tu vois. La Timon Cabos. Après, je l'ai en bleu aussi, tu vois. Ils sont sympas. Il y a écrit quoi en dessous de Mister Nenya? En Attends. dessous de MG. MG, il y a marqué Mister Nyanya. Ok. Attends, j'essaie de te trouver. C'est bon. Tu vois, j'ai même fait un site. Tac, j'ai fait un site officiel, tu vois. La boutique en ligne est ouverte. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, hein. Après, voilà, t'as vu, c'est un petit truc, tu vois, il y a marqué Mister Nyanya là. C'est un petit truc, je me suis jamais lancé dans le prêt-à-porter, tu vois. Donc écoute, c'est une nouvelle expérience, on verra. Écoute, si t'as une team des gens qui apprécient ton concept, ils vont l'acheter. Bien sûr, ouais, j'ai déjà Qui eu ne pas mal tente de... rien, n'a rien. Exactement, qui tente rien n'a rien. Salut, Canon. Gibous, Mad Max, merci Rachid, Edgy, Christine, Zigzoug, TikTok, Monsieur Watt, double Sarah 78. Jouer, mon pote, je vais dormir. C'était un match? Prends soin de toi. Et Un ouais, match, c'était un c'était? match. Ouais, je te dis, je vais dormir. C'était juste pour couper mon live, tranquille. Porte-toi bien, Franjo. Toi aussi, mon sang. Au plaisir, Franjo. Au plaisir, au plaisir, frère. Ciao. Allez, l'équipe, merci à tous. À demain. Demain est un nouveau jour. Hein? Et prenez soin de vous et surtout de vos enfants. Et ne laissez jamais. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne laissez jamais personne manquer de respect à vos enfants sur cette appli. Que ce soit sur cette appli, dans la vraie vie, demain, sur une autre planète. Les enfants, c'est la prunelle de nos yeux. Ok? Ah, mais j'y arriverai pas là. Vraiment. Allez jusqu'au bout. Hein? Allez jusqu'au bout pour défendre vos valeurs. Je vous le dis, jamais les enfants. Ok? Vraiment, ça c'est un truc, c'est indélogeable. Je me ferai bannir 70 000 fois s'il le faut, mais on ne touche pas les enfants. Ok? Quand ça veut passer dans ce côté-là, c'est le côté obscur qui vous attend. C'est tout ça. Je suis quelqu'un de très gentil, franchement. Je fais de mal à personne, j'ai été gentil, j'ai été patient. Mais vraiment, prenez soin de vos enfants. Et moi, je serai toujours là pour défendre le mien. J'ai besoin de personne, hein, sur cette terre. Hein. Je serai le seul vaillant qui va défendre mon gamin. Ok? Bisous, je vous aime fort, ceux qui restent, ceux qui sont là tous les jours, ceux qui sont là pour moi. Je vous aime, on est quand même top 34, c'est magnifique. À demain et gna gna gna.